Là, c'est moi, Clémentine, 26 ans. Je suis française et en septembre, je suis allée de là à là. 2000 km, 36 heures de bus. Là, c'est Baia Mare, une ville du nord de la Roumanie. Et si tout va bien, je vais y rester 9 mois en tout. Je suis partie avec l'European Solidarity Corps et j'ai rejoint l'association AIST, American International School of Transylvania. Je ne suis pas toute seule, loin de là. Ici, on est 19 de 10 pays différents. Ensemble, on donne des cours d'anglais à des enfants, même si parfois c'est l'inverse. On organise aussi des activités autour de la discrimination, la tolérance, la solidarité. Être volontaire, c'est vivre l'interculturalisme au quotidien. Et il se cache parfois dans les détails. On peut parler longtemps pour savoir si on doit mettre un espace avant les deux points ou pas. Ou alors, devoir parler des heures avant de savoir à quelle heure on se rejoint pour manger le soir. 6 heures, 9 heures, 10 heures. Être volontaire, c'est aussi expérimenter la vie dans un pays étranger. Ce qui signifie apprendre des mots de vocabulaire à son insu. Ou encore, ne plus savoir en quelle langue parler, avec qui. Avoir l'impression de participer à une épreuve olympique pour des choses aussi basiques que poster une lettre à la poste quand personne ne parle anglais au guichet. Et surtout, il faut apprendre les choses à faire et à ne pas faire. En Roumanie, ne bois jamais dans une bouteille d'eau sans sentir ce qu'il y a dedans. Tu pourrais avoir des surprises. Être volontaire, c'est découvrir une nouvelle langue, le roumain dans mon cas. Une langue latine très simple, ou un mot aussi basique que marron a trois traductions différentes. Mais c'est aussi l'occasion de se remémorer les mots d'anglais que tu as appris quand tu avais 12 ans et que tu n'as jamais réutilisé depuis. Et surtout, être volontaire, c'est découvrir de nouveaux paysages, un nouveau patrimoine culturel et voyager à travers un nouveau pays. Ce qui signifie aussi faire la connaissance d'animaux locaux.